Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur The Lost Ghost Paranormal. Deuxième saison, épisode numéro 2. Donc ce soir, nous sommes sur un beau château. Magnifique. Extraordinaire. Et c'est le château. Alors nous, on a appelé ça le château Colombier. Il a une histoire. C'est ce qu'on appelle le château des gendarmettes. Il y a eu une colonie de vacances. Mais on vous en parlera un peu plus tard dans la soirée. Donc ce soir, je suis avec un nouveau caméraman, Louis, que Sandrine filme. Voilà, tu peux dire bonjour. Bonjour. Là, derrière là, c'est Sandrine, bien sûr, hein, ma coéquipière et ma chérie. Voilà. Et donc ce soir, je suis sans caméra. Parce que j'ai eu un petit bobo à l'épaule et donc je ne peux pas soulever le stabilisateur. Ce soir, on est en enquête aussi avec un autre groupe d'amis et d'enquêteurs en paranormal. C'est Dark Ange, avec enquête investigation paranormale. Voilà. Donc vous pouvez, on vous mettra, comme ça s'appelle, petit lien pour aller les voir. Ils sont très gentils et en fait on est du même département, donc on a dit pourquoi pas se faire une petite enquête entre nous. Donc voilà, donc on va aller les rejoindre, on va vous les présenter et on va commencer l'enquête tout doucement. Voilà, allez, à tout de suite. Alors voilà la deuxième équipe, donc on vous présente Dark Ange. Bonsoir. Alors, dis-moi la suite parce qu'à chaque fois je me trompe. Dark Ange, enquête investigation et paranormal, voilà. Tout à l'heure je l'ai bien dit, mais je ne l'ai pas dit aussi bien que toi. Donc voilà, donc Cédric, CK à la fin, c'est pas comme moi. Hein. Et Jessie, voilà. Donc vous allez les voir, ce soir on va faire une équipe tous ensemble, et ça va être super sympa. On va pas se prendre la tête, on est là pour s'amuser, on est là pour avoir des petits résultats. D'ailleurs, ils ont déjà eu des petits trucs, ça peut être sympa. À mon avis, je pense qu'on va s'éclater. On a déjà ressenti des trucs, j'ai commencé à avoir des frissons. Ouais, donc, je ne sais pas si c'est à cause du courant d'air, c'est peut-être à cause du courant d'air. Oui, mais il fait pas froid. Mais il fait pas froid, on peut vous le dire. Si je perds un peu mon souffle, c'est normal. Donc voilà, donc on vous dit à tout de suite. On règle les petits problèmes qu'ils ont sur la petite GoPro et puis enquête. À tout à l'heure. C'est bon ? Ouais. Allez. Donc nous descendons à la cave parce qu'il fait frais déjà et de deux parce que c'est vraiment très confiné et enfin c'est super sympa et ça fait un grand couloir avec plein de petites portes sur les côtés et je pense qu'on va peut-être avoir des résultats. C'est frais en bas. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, c'est une belle cave. Il y a des portes un petit peu partout. Donc ça devait être peut-être des geôles. On va rentrer dans une pour vous montrer. Il fait bon, il fait très frais. C'est vraiment très agréable. On respire. Il
Bonsoir. Voilà, on est là depuis cet après-midi. Vous nous avez vus avec notre matériel à prendre des images, du son. Donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour communiquer avec vous. Donc je me présente, je m'appelle Cédric. Je suis accompagné de Louis. Et je suis accompagné de Sandrine. Donc, on est là pour avoir des réponses de la vie après la mort. Si vous avez des réponses à nous donner ou à nous communiquer, comme vous voulez, dans n'importe quel sens que vous voulez, c'est-à-dire frapper quelque part sur une porte, faire un bruit quelconque, vous pouvez faire un mot, des phrases, laisser des messages sur nos micros. Nous avons des micros très performants avec un enregistreur vocal que Sandrine a. Elle peut vous entendre en direct. N'hésitez pas, surtout, à nous laisser un mot et un message. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir, ici, dans cette cave? Faites un bruit pour nous dire oui, deux coups pour nous dire non. Un coup pour dire oui, deux coups pour dire non. N'hésitez pas, vous pouvez me toucher. Allez, voilà.
Donc ça se... on peut faire ce qu'on veut. Là c'est moi qui ai tapé dessus, hein. C'est pour ça que ça a déclenché. N'hésitez pas surtout à nous parler, à nous faire un bruit. Vous pouvez taper dans les portes. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Vous pouvez nous donner votre prénom? À quelle époque avez-vous vécu ici? Nous sommes en 2020. On sait que le château a été construit dans les années 1500. Mais il date de fortifications médiévales, hein ? C'était fortification médiévale ? Oui, c'était une forteresse médiévale, oui. Une forteresse médiévale de 1060. Donc... il doit y avoir du vécu. Il y avait le chevalier de Gisée. Bon, je ne me rappelle plus très bien du nom. Avec le seigneur de Brézé à côté. Conserver ces pièces. Colombier.
rentrer dans un magnifique colombier où il y a eu, sur ce mur, une jolie gravure d'un indien. Ah, c'est un ventre. Rien d'entendre ? Oui. Ton ventre ? J'ai entendu un ventre. Hein ? Louis, oui. C'est ton ventre ? Non. Café pour... Non ? J'ai entendu un ventre. Ouais, moi aussi. Ah, il y a une petite souris là. Il y en avait une de l'autre côté aussi. Hein ? Il y en avait une de l'autre côté aussi. Une petite souris là. Vous êtes avec nous, ici ? Je vous remets le passage avec le son amplifié. Faites interagir le petit K2 qui est ici. Ici, là. Faites bouger les LED. Ça va du vert au rouge. N'hésitez pas. À côté, vous avez le petit metteur sensor. Vous pouvez faire monter le chiffre, si vous voulez. Ça vous fera aucun mal. Tous nos appareils ne vous feront aucun mal. Nous sommes là juste pour communiquer avec vous. On vous le répète. On n'est pas là pour vous faire du mal. Et j'ai des frissons à gaver. Je l'ai que sur le bras droit, mais pas sur le bras gauche. Ah oui. Tu le vois ? Oui, je le vois. Voilà. Donc, normalement, quand je sens des frissons, alors je ne suis pas quelqu'un de très réceptif. Je crois ce que je vois, c'est tout. Mais quand j'ai des frissons, normalement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en quelque part. Ah, c'est rien. Ça, c'est le... C'est mon... Le laser température qui se met en route dans le sac. Donc voilà, déjà la température est tombée à 25 degrés. À mon avis, il fait un peu plus frais que ça, mais on est bien. C'est ton ventre, Louis, qui fait ce bruit. Donc n'hésitez pas, faites interagir le K2. Essayez de faire bouger les petites LED. Est-ce que quelqu'un est avec nous déjà ici ? Montrez-nous votre présence. C'est le laser qui vient de s'éteindre. Allez, rapprochez-vous de nous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. On est là pour vous, ce soir. On a fait 200 km. C'est hyper calme, ouais. J'aurais cru que... Alors j'interviens sur ces bruits car personne ne les entend. Mais on dirait que quelqu'un tape et le deuxième son, on dirait une voix, mais sans grande conviction. Vous me répondez pareil ?
deuxième nombre, ah. 74. Il y en a qui est né en 2019. Et des dates, 1960. Et Jacques aussi qui le sait. Je vois 65, il y a des multiplications, des divisions. Il y a du monde qui passe. Combien ? Non, on est à 25,2. 25,9, 25, 26. On est à 25 ici ? Ouais, et en bas on était à 18. Là on est à 26. 27 là-bas, dans le couloir. 28. Je sais pas ce qui est stocké là-haut, il y a deux feuilles souvent. Oui. Non, j'avais pas vu. Allez, faites interagir ce petit boîtier là, avec les petites loupiottes. N'hésitez pas. Laissez-nous des messages. T'as entendu ? J'ai pas entendu moi. C'est vous qui avez fait ce bruit ? C'est des chiens ? C'est des chiens ? C'est le pote. Un pote qui sonne. Le pote sonne là-haut, à moins. C'est parce qu'il le déplace peut-être. Ouais, vu le bruit, à mon avis, c'est qu'il le déplace. Ça y est, c'est le thermomètre qui s'éteint.
Bon, allez, on va aller la voir. Revenons sur cette première partie. Nos ressentis sont mitigés. On sent quelque chose, une présence, mais personne ne se manifeste réellement. On entend des claquements et cette petite voix dans le colombier, qui est inaudible. Mais après tout, c'est mon analyse. Donnez-nous vos commentaires si vous comprenez ce qui se dit. Après, la suite va changer. L'atmosphère va se faire de plus en plus lourde. L'équipe de Darkange va procéder à des questions via un pendule et une lampe torche. Ensuite, Sandrine et Louis en profiteront pour aller tous les deux dans la petite chapelle au deuxième étage. Suivons tout ça avec attention. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir, s'il vous plaît? Pour me dire que oui, faites tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre. Et j'ai pas le temps de finir ma phrase, ça tombe déjà. Je parcours par une espèce de frisson. C'est un grand oui. Impressionnant. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Donc vous êtes bien avec nous. Je vous remercie. Je vais retenter de vous poser la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je ne lancerai pas le pendule, c'est d'accord. Je voudrais que vous me répondiez par oui ou non. Le oui toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et le non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me répondiez pour me dire est-ce qu'on vous dérange, s'il vous plaît. Sans équivoque, on dérange. Très bien. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, qui me répond. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes la femme qui m'a répondu en haut? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Est-ce vous, madame, qui me répondez? Faites tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour me dire que non, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire combien vous êtes avec nous ce soir. Si vous êtes plus de 5 personnes, merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes moins de ces 5 personnes, faites tourner le pendule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, s'il vous plaît. C'est à vous. Êtes-vous plus de 5 personnes? Oui ou non? Merci.
quelqu'un fait pfff. Oui, c'est dehors. Plus de 5. Non, moins de 5. Moins de 5. Vous avez entendu ? Revenons sur ce passage. Faites un bruit, s'il vous plaît. Donc vous me dites en être capable. Alors sans vouloir vous offenser, je vous demanderai de bien vouloir faire un bruit quelconque. Un gros bruit. Ça marche là-bas. J'ai entendu un changement.
Approchez-vous de nous. Venez, bouge pas, bouge pas. C'est bon, maintenant. Attends. Venez. Approchez-vous. Venez vers nous. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Vous faites un bruit. Vous m'avez dit au pendule que vous êtes en capacité de faire un bruit. Faites-le. Une chauve-souris qui vient de passer. Bon, attends. C'est par là-bas. On est d'accord ? Oui, mais toi, on a une chatte. Vous aussi avec nous. Faites un bruit, s'il vous plaît. Non, change. Tu fais ça. Tu le mets au minimum. Là, il est au minimum. Et tu vois là. Si vous êtes avec nous ce soir, s'il vous plaît, pouvez-vous allumer la lampe qui est par terre ? Si c'est bien vous qui venez d'allumer la lampe, s'il vous plaît, éteignez-la. Éteignez la lampe, s'il vous plaît. Vous avez juste à tapoter un peu dessus pour l'éteindre. S'il vous plaît, éteignez la lampe pour me montrer que c'est bien vous, monsieur. Donc, c'est bien vous. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien vous en rallumant la lampe, s'il vous plaît, monsieur ? Rallumez-la, on saura que c'est bien vous. S'il vous plaît. Monsieur, si c'est vous qui venez d'éteindre la lampe et de l'allumer, rallumez-la, s'il vous plaît. Une dernière fois. Madame, est-ce que c'est vous qui avez allumé la lampe ? Si c'est vous, allumez-la, s'il vous plaît. Ça se fout de nous. Ça se fout de nous, voyons. Vous vous moquez de nous ? Si vous moquez de nous, allumez la lampe. Alors laissez-la éteinte. Ouais, des fois que ça se moque de nous. On est d'accord. Excellent. On a bien compris que vous étiez là avec nous. Attends, parce que j'ai l'impression aussi quand on marche.
Allumez la lampe, s'il vous plaît. Merci. Ça s'amuse avec la lampe. C'est vous qui vous amusez avec la lampe? Si c'est vous, allumez-la, s'il vous plaît. Faut ma carte SD, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vous, monsieur, qui joue avec la lampe? Non. Ça recommence? Ça, je crois que ça va tout effacer. Bon, par contre, ça se fout quand même. Je crois que ça vient de tout effacer. Qui va s'arrêter? Je te jure que c'est pas. On va prendre la caméra. Format caméra, format carte, les données seront effacées. Non. S'il vous plaît, allumez la lumière. Éteignez-la. Éteignez la lampe. Éteignez-la complètement, s'il vous plaît. Allez-y. Merci. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir qui joue avec la lampe. Est-ce que c'est un homme qui joue avec la lampe? Si c'est un homme, allumez-la. Ah. Si c'est une femme qui joue avec la lampe, allumez-la. Maintenant. Si c'est un enfant qui joue avec la lampe, est-ce que tu peux l'allumer, s'il te plaît? Si vous n'avez pas envie de répondre à nos questions, allumez la lampe pour nous le signifier, s'il vous plaît. C'est pas très clair quand même. Est-ce que vous pouvez éteindre la lampe, s'il vous plaît? Excusez-moi, est-ce que quelqu'un vous dérange ce soir parmi nous? Allumez la lampe si c'est le cas. Est-ce que vous avez juste envie de jouer avec cette lampe? C'est ça. Il y a souvent un laps de temps avant de répondre, donc on ne sait pas trop. C'est plus, j'ai l'impression vraiment que ça joue avec et en fait ça n'a rien à faire de nous. Est-ce que vous pouvez éteindre la lampe, s'il vous plaît? Totalement. Totalement. Éteignez la lampe. Merci. Donc, je vous répète la question. Est-ce que quelqu'un vous dérange parmi nous? Si oui, allumez la lampe. Y a-t-il au moins l'une des personnes du groupe de 5 que nous sommes qui vous dérange? Au moins l'une des personnes.
Si une seule personne du groupe vous dérange, allumez la lampe, s'il vous plaît. Si vous avez juste envie de jouer avec la lampe, allumez-la pour nous signifier. C'est un petit farceur, vous. C'est vous qui avez fait le bruit tout à l'heure que l'on a tous entendu. Si c'est bien vous, éteignez la lampe complètement, s'il vous plaît. Pour confirmation, vous pouvez nous allumer la lampe, la cave. Une dernière fois, allumez la lampe si vous voulez absolument qu'on aille en bas à la cave. Allumez-la maintenant. Une dernière fois, s'il vous plaît. C'est là où après, ben voilà, faut l'emmener où il a envie, quoi. Ouais. Nous vous remercions, nous descendons à la cave pour tenter de discuter avec vous. Merci beaucoup. Et je coupe. Très bien, donc nous sommes tous rendus en bas. Est-ce que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît, oui ou non? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui. Bon, bah, très bien. Donc vous êtes là. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, en tapant dans une porte ou en prenant un débris quelconque et en le jetant à mes pieds, même si vous le voulez? Êtes-vous capable de faire quelque chose comme ça pour nous signifier votre présence, s'il vous plaît? Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre et non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, s'il vous plaît. Si
C'est vrai que vous l'avez entendu aussi? Ouais. Oh, vache. C'est un gros bruit. Nous sommes tous à la cave et nous entendons un énorme coup. Je peux vous dire qu'on s'est tous regardés et personne n'était fier. Mais sans vous mentir, c'était très excitant. On l'entend bien fort et net. Alors imaginez-nous à ce moment-là. Je vous repasse la séquence. Écoutez bien. C'est quoi ce bruit? C'est dans les escaliers, ça. De tomber? Bah, je vous pense qu'on aurait pu tomber. Ça, c'est les escaliers. La porte. Demande si t'as c'est lui. T'as mis quelque chose devant la porte ou pas? Non. Demande si c'est lui. Nous avons entendu quelque chose tomber à terre, à l'étage. Est-ce que c'était vous, s'il vous plaît, qui avez fait ce gros bruit? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui. Et de le faire tourner, pardon, dans le sens des aiguilles. Inverse, je vais y arriver, dans le sens. C'est lui. J'ai pas le temps de faire ma phrase. Excuse-moi, j'ai avec toi. Ah, moi, c'est pas le même pendule. Oh oui, c'est un oui plus qu'énorme. Très bien, je vous remercie. Donc c'est comme une baguette de sourcil. Ouais. Donc oui à droite, non à gauche. Donc bonsoir. Nous avons entendu un bruit, un gros bruit. On aurait dit que c'était la porte d'entrée. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite? D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, oui à droite, non à gauche. Merci. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un enfant? Non, elle n'avait pas fini de dire. On ne va pas aller trop vite parce qu'en fait, des fois, ils mettent du temps à pousser. Alors, on vous repose la question. Est-ce que vous êtes une femme? Oui à droite, non à gauche. Je n'avais pas dit oui à droite ou non à gauche. Ouais. Il faut toujours qu'on le répète, en fait. Voilà. Merci. Donc, vous êtes une femme. Est-ce que vous êtes une femme de moins de 20 ans? Oui à droite, non à gauche. D'accord, merci beaucoup. Avez-vous fait du bruit en haut? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit en haut, madame? Oui à droite, non à gauche. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Non. D'accord. Voilà, très bien, merci. Est-ce que c'est une autre personne qui a fait du bruit en haut? Oui à droite, non à gauche. Allez, vous pouvez pousser un peu plus fort si vous voulez. Ouais, parfait, très bien, merci. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que c'est vous qui étiez en haut? Oui à droite, non à gauche. Alors, il veut poser la question, est-ce que c'est vous qui avez fait interagir la petite lampe de Jessie? Oui à droite, non à gauche. D'accord, très bien, super. Donc vous êtes une jeune femme de 20 ans, un peu moins de 20 ans. Vous avez vécu dans ce château? Oui à droite, non à gauche. Merci beaucoup. Vous pouvez faire revenir le pendule. Merci. Si vous avez des questions, vas-y.
Est-ce que vous êtes décédé dans ces murs, s'il vous plaît? Oui à droite, non à gauche. Alors quand je dis dans ces murs, c'est dans le château. Pour l'instant, dans le château. Êtes-vous décédé dans ce château? Oui à droite, non à gauche, s'il vous plaît. Elle n'aime pas ta question. Non. Puis alors, c'est fou parce que ouais. C'est tout de suite cette réponse à ta question. C'est vrai. Ah, c'est dingue. Elle n'aime pas si elle est décédée. Est-ce que vous savez si vous êtes décédé? Oui, à droite ou non à gauche? J'ai mon truc qui s'est vidé d'un coup. Ah, c'est que ça a pris de l'énergie. C'est bon. Il y a vraiment les sangles et quand ça m'a... Oui, elle sait qu'elle est décédée. Merci. J'ai perdu deux barres, moi aussi. Ouais, mais c'est... Ça ah ouais. Putain. Et puis je l'ai senti, hein. Je l'ai senti sur moi, là. Ça pour vous? Vous êtes toujours là? Oui, à droite, non à gauche. Êtes-vous toujours avec moi? Merci. Vous avez vécu dans ce château? Vous étiez la fille d'un propriétaire de château? Il y a quelqu'un? Avez-vous fait tomber un objet? Oui à droite, non à gauche. Non, parce que tout à l'heure, j'avais demandé si c'était elle. Elle a dit que c'était oui. Non, elle a dit que c'était non. Ah oui, non. C'était autre chose. Ah oui, c'est juste avant. Alors j'ai une question à mon tour, on vient d'entendre un gros bruit qui provenait, il semblerait, de l'étage. Est-ce que oui ou non, c'est vous qui avez fait ce gros bruit, s'il vous plaît? Sachant qu'on vous a demandé préalablement de taper dans une porte ou dans une cloison ou ce que vous voulez. Est-ce vous, oui ou non, qui avez tenté, enfin qui avez pardon, tapé dans une porte, enfin qui avez fait un bruit tout simplement? Est-ce que c'est vous, oui ou non? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui. Et de le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour me dire que non, s'il vous plaît. Est-ce que c'était vous? S'il y a deux personnes avec nous en ce moment. Est-ce qu'en ce moment vous êtes deux personnes avec nous, s'il vous plaît? Merci de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui et dans le sens inverse pour me dire que non. Merci.
Très bien, je vous remercie. J'ai une autre question. Est-ce que vous nous voulez du mal? Merci de me répondre oui en faisant tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre. Et non pour me dire, dans le sens pardon, inverse des aiguilles d'une montre pour me dire que non. Est-ce que vous nous voulez du mal? S'il vous plaît, merci. C'est un petit nom, mais c'est un nom quand même. Je vous remercie. J'ai une autre question à présent. J'aimerais savoir si la raison pour laquelle vous nous avez demandé de descendre dans la cave, dans les caves, étant donné qu'on a constaté qu'il y avait des geôles, j'aimerais que vous me disiez si éventuellement vous nous avez amené ici pour nous faire comprendre que vous avez été enfermé dans l'une de ces geôles. Alors toujours pareil, je vous remercierai de bien vouloir faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire que oui, et dans le sens inverse pour me dire que non. Merci de bien vouloir faire tourner le pendule, s'il vous plaît. Avez-vous été enfermé dans l'une de ces geôles ici? Merci. Le truc en bas, il a... Il a bougé, il est en train de... Ah oui. Oh, regarde, il réagit. Le cadeau. Oh oui. Oh oui. Super. Bravo, magnifique. Et moi j'ai un oui. Et moi j'ai un oui. Allez-y, montez le cadeau dans le rouge, s'il vous plaît. Montez les petites lumières dans le rouge, s'il vous plaît. Allez-y, jusqu'au rouge. Vous pouvez prendre toute l'énergie que vous voulez. J'ai plus de batterie. Merci. J'ai plus du tout. C'est la première fois que je vois ce truc-là arranger. Bah, c'est la première fois qu'il fonctionne autant. En fait. Un grand merci pour votre réponse. Êtes-vous capable de toucher l'antenne du pod pour le faire sonner, s'il vous plaît? Touchez l'antenne. Faites sonner le pod, s'il vous plaît. C'est le petit appareil avec la lumière bleue. Non ? Vous préférez peut-être le petit boîtier noir avec les petites lumières ? Un grand merci. Est-ce que c'est vous, madame, qui allumez les lumières ? Est-ce que c'est vous, monsieur, qui allumez les lumières? Est-ce que c'est la personne qui a voulu que l'on descende à la cave qui allume les lumières? C'est monté dans le rouge. Ah oui. Un grand merci pour votre réponse. Est-ce que c'est la personne qui apparemment a été enfermée dans l'une de ces geôles qui fait osciller le petit appareil avec les lumières, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien? Voilà. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. J'en reviens pas. Mmh. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, allumez les lumières. Vous avez été prisonnier aussi? Merci. J'ai des frissons. Très longtemps? Vous êtes décédé dans l'une de ces geôles? Tu poses des questions.
Nous en sommes vraiment désolés pour vous. Par contre, ça nous permet de discuter avec vous, et ça, on en est très fiers et très contents. Maintenant, est-ce que vous avez toujours vécu dans ce château? Est-ce que vous avez toujours vécu dans ce château? Vous avez traversé les âges? D'accord. Très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Nous nous répondons aussi facilement et aussi gentiment. Super. Ressentez-vous de la tristesse ou de la colère? Merci de faire osciller le K2 pour nous dire si vous ressentez de la tristesse ou de la colère, ou même les deux. Est-ce que vous avez un message à faire passer, s'il vous plaît? Allumez les lumières si vous voulez nous faire passer un message. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez apaisé là où vous êtes, dans la dimension dans laquelle vous vous évoluez? Merci de faire osciller les petites lumières pour nous dire si vous vous sentez apaisé ou pas. Est-ce que ce petit objet vous plaît? Allumez les lumières pour nous dire que oui. Souhaitez-vous qu'on repasse à un autre mode de communication? Pendule ou autre? On va s'arrêter 5 minutes parce qu'on a des émotions fortes. Ouais, ouais, ouais. Et on vous reprend d'ici 5-10 minutes, d'accord? Merci à vous. À tout de suite. Louis, c'est à toi. Okay. Êtes-vous toujours là? Si oui, allumez le K2. Le K2. Il y a une réponse. Mmh. Il m'a semblé aussi. Toute faible, hein. Il y en a une. Ah, c'est plus joli déjà, c'est bien. Ok. Vas-y, Louis, si t'as des questions, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que vous seriez capable de toucher ma main? Ça, merci. Est-ce que vous pouvez lui toucher sa main tout de suite, qu'il le sente? Si tu sens un picotement, un truc comme ça, un frisson. Ça picote un petit peu, je sens comme du froid. Voilà, c'est ça. Alors, je sens dans l'autre main. Alors, merci beaucoup parce que vous êtes à côté de lui et vous essayez vraiment de le faire. C'est sa première fois, hein? Ça picote surtout mon côté là. Voilà. Donc elle a essayé de te toucher la main. Ouais. Ben, c'est un beau garçon. Donc c'est pour ça. Est-ce que c'est à cause de ça que vous lui touchez la main? Vous sentez que Louis est un gentil garçon? Est-ce que Louis vous plaît? Pas plus que ça. Ah, pas plus que ça. Non, mais c'est des relevés de température de dingue. J'oscille entre 18 et 24. Ouais.
J'oscille entre 18 et 24. Surtout qu'il doit faire quoi là? Je sais pas comment il fait. Il fait quoi? Il fait 20 degrés. Ouais, je sens ça. Enfin, ça fait comme des 25 sur toute ma main. Ouais. Fais voir, vas-y. Il fait 25-1. Attends, faut que je désouvre. Pouvez-vous lâcher ma main? Oh bah ben non, on a 15-5. C'est peut-être la pierre, le sol. Ouais, parce que nous, tout à l'heure, on avait 18 avec le... On a 15-5, je vois. Pas compte sur... Tu vois, plus tu t'approches. Et, fais-le au-dessus de la main de Louis, s'il te plaît. Mais c'est ce que je suis en train de faire, regarde. Oui, d'accord. T'as pas de point rouge, toi? T'as pas de laser? 24. Je suis à 24. 23, ça aussi, entre 23 et 24, à peu près. Est-ce que je peux bouger ma main? Répondez-moi sur... Le K2. Le K2. Est-ce qu'éventuellement vous voudriez bien faire sonner le pod, l'appareil avec l'antenne, afin de faire osciller les petites lumières? Il y a 4 lumières. Enfin, 5 avec la bleue, mais la bleue, c'est pour le changement de température. Plus ou moins 5 degrés. Si vous touchez l'antenne, vous pourrez faire osciller les 4 lumières. S'il vous plaît, en êtes-vous capable? Louis, tu veux bien toucher l'antenne pour leur montrer que c'est totalement inoffensif? Voilà. Est-ce que vous êtes capable de refaire la même chose, s'il vous plaît? Vous êtes encore parmi nous? Vous êtes encore parmi nous? Vous êtes encore parmi nous? J'ai cru entendre. Ouais, moi aussi j'ai entendu. T'as entendu? Ouais. Vous êtes encore parmi nous? Vous pouvez-vous nous répondre? On vous entend. Si vous préférez refaire un gros bruit, peut-être, faites-le. C'est peut-être plus facile pour vous. Prenez notre énergie si vous voulez. Pour tenter de discuter avec vous. Dans un pigeonnier, dans le colombier plutôt, pardon. Allumez les lumières du K2 pour nous dire que oui, s'il vous plaît. Vous faites sonner le pod. À votre convenance. Wow. Nous sommes tous déboussolés par ce qui vient d'arriver. Pourtant, le K2 réagit à chaque question posée. Et ne réagit pas s'il ne veut pas répondre. On m'a dit que ça n'apportait rien. Pas de résultat. Ben, je pense que c'est eux qui décident si ça doit marcher ou pas. Nous faisons une petite pause. Et soudain, nous avons la surprise de voir des jeunes arriver. Pour se faire peur, je pense. Ça sera une petite aparté dans notre enquête. Nous allons vous les présenter.
On a des personnes qui sont arrivées à l'improviste. On a entendu des voix. Et ces petites voix, c'était ces messieurs dames qui arrivaient dans le jardin du château. Donc, ils vont se prénommer. Donc, monsieur. C'est Pointeau. Non, c'est votre prénom. Sébastien. Sébastien. Louise. Edwin. Lucas. Lucas. Orléane. Voilà. Donc, ils sont passés faire un petit coucou, se faire peur peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Voilà. Ah, merci pour la lumière. Ah, il vaut un peu mieux. Donc on leur a expliqué ce qu'on faisait, comment on travaillait. Donc, on leur a fait un petit peu peur au départ. On ne savait pas qui c'était, donc on fait toujours attention à ce qu'on fait. Et donc, ces messieurs-dames vont pouvoir visiter le château, et donc on en a profité pour les mettre à la vidéo, bien sûr, avec leur rapport. Voilà. Donc, vous pouvez faire un petit coucou. Et puis, on va reprendre donc, notre enquête, et tout gentiment, et comme ça, ben, au moins, on pourra vous dire bonjour. Ok. Merci d'être passé. Et si vous voulez regarder votre vidéo, abonnez-vous et puis venez voir sur Facebook et notre chaîne YouTube. Voilà. Ok. Allez, merci à vous. À plus. Nous sommes tous autour de Levinus. Mais comme d'habitude, les mots sont complètement aléatoires. Donc nous vous passons cette séance. Sandrine et Louis vont se promener dans le château. Suivons-les. Moi, je reste au QG pour préparer la séance d'interpellation avec le guéridon. Qui va nous donner des résultats extraordinaires. Pour quelqu'un qui n'y croyait pas, eh bien, j'ai changé d'avis. Regardez. J'ai deux lampes et... La blanche, elle éclaire tout le temps. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Faites du bruit. Vous faites le nous savoir. Par quelconque mot. Ce qu'il y a, c'est qu'on va entendre les bruits qui sont en train de faire. Hein. J'ai l'impression d'avoir les jambes bouchées. Les chevilles, non, toute la partie là, j'ai l'impression que tout le sang, il ne circule pas. Ouais, j'ai mal aussi. C'est la chaleur, je pense. Oui, c'est bon. Ah, c'est là où on était tout à l'heure. Cours.
On entend ce mec, je crois qu'il parle. On entend, on a entendu Cédric parler. Ouais, on va. Ça a été complètement cassé. Ah putain. Elle est vivante celle-là. Hein. On va essayer de monter encore à l'étage d'en dessus. Ils s'en vont. Ouais. On attend Cédric ou pas ? Ouais, je sais pas. Oui. C'est paranormal. Qui c'est qui crie ? Chien. CNS paranormal, 9 juillet 2018. Faire attention parce que... Ouais, non, c'est... Des trucs. Ouais, je pense. Ou pour monter sur le toit. Ouais. Il faudrait le K2 et qu'on pose des questions. Ici, je crois que c'est un peu pété, au fond. On va faire attention. Ouais. On va éviter d'aller plus loin, c'est cassé là-bas. J'ai entendu un bruit. Tu l'as entendu ? Oui. Ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas ? Ouais. Je sais pas si j'ai vu un oiseau, donc je sais pas si c'est un oiseau. Mais évite d'aller là-bas quand même. Comment ça va ? Il y a des trous. Il y a quelqu'un avec nous ? Vous nous suivez ? Est-ce que... La personne qui était avec nous tout à l'heure est présente ici ? Tapez contre quelque chose ? Ou faites-le savoir ? Viens nous toucher la main. Tu vas avoir une main sur l'épaule. Est-ce que vous êtes toujours présent avec nous ? Thank you.
Revenons sur ce passage. Il y a bien quelqu'un qui parle. C'est inaudible, mais on entend le prénom de Louis, je crois. Pouvez-vous, par exemple, fermer la fenêtre ? Ou taper quelque part ? J'irai pas plus loin. C'est plus complètement... T'entendais ? Oui. Ça vient de là. Où ça ? Là. Par là ? Ouais. Donc j'ai entendu un bruit par là. J'ai l'impression que ça a tapé, enfin genre comme un bruit, genre un caillou sur la toiture, un truc comme ça. Oui. Êtes-vous là ? Profitez-en. Si vous avez quelque chose à me dire. On ne peut peut-être pas vous entendre tout de suite, mais on pourra vous entendre plus tard. Vous pouvez faire... du bruit dans le micro qui est juste au-dessus de ma caméra ou dans le micro qu'il y a sur l'autre caméra. Sans le courant d'air. Ça venait d'où ? Ça vient de là ? Ouais. Là, ouais, bah c'est super. Bon. On va descendre ? Ouais. Je pense qu'ici, là-haut, là, faudrait le faire avec. Un truc. On verra sûrement des. Si on a le temps. Des points avec. Ouais, avec les montages. C'est de chance. Sandrine et Louis reviennent de leur tournus. Ils ont eu des BE, certains inaudibles. Et pour les autres, ce sont notre propre interprétation. Louis, maintenant, veut tenter l'expérience du pendule. Vous verrez quelle expression de son visage, il a adoré les réponses qu'il a eues. Regardons-le. Est-ce que vous êtes une des personnes qui était avec nous en bas, dans la cape, oui à droite, non à gauche ? Revenez au milieu du lit. Revenez au milieu. Question ? T'as une question ? Donc c'est vous qui étiez là en bas, dans la cave avec nous. C'est gentil d'être là maintenant à l'étage. Donc nous sommes au premier étage de la maison. Et vous aimez bien vous balader dans ce château ?
Voilà, super, merci, c'est gentil. Vous êtes de quelle année? Alors, on va vous donner des siècles. Et est-ce que vous savez quel siècle vous êtes? Est-ce que vous êtes du 15e siècle? Oui, à droite, non, à gauche. C'est vraiment... D'accord. Donc vous êtes déjà du 15e siècle. D'accord. Avez-vous connu quand ce château a été reconstruit? Oui, à droite, non, à gauche. Poussez, franchement. D'accord. Votre famille. Est-ce que vous êtes l'homme? Oui, à droite, non, à gauche. D'accord. Vous êtes... On va attendre, voilà. Vous êtes le propriétaire du château de l'époque? À droite, à gauche. Super. Eh bien, heureux de faire votre connaissance. C'est super gentil à vous de nous parler, de prendre le temps, de communiquer avec nous. Vas-y, Louis, vas-y. Avez-vous connu la femme avec qui nous avons parlé tout à l'heure? Oui, à droite, non, à gauche. Ah, non. Donc, à mon avis, elle est plus récente, cette dame. Elle est plus jeune aussi, parce qu'elle avait une vingtaine d'années. Un peu moins de 20 ans. Elle n'est pas du même siècle que vous? Est-ce qu'elle est du même siècle que vous? Oui, à droite, non. Ben, ils sont peut-être pas connus, mais ils sont peut-être pas connus, donc voilà. Après. Connaissez-vous la date de cette femme? Oui, à droite, ou à gauche? Vous ne savez que qu'elle est du 15e siècle, oui à droite ou à gauche. Très bien. Merci. Vas-y, vas-y, continue. T'as plus de questions? Ouais. Donc on va arrêter là 5 minutes. Et puis on reprendra tout à l'heure. Merci à vous. Merci. On va couper la séance. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Alors, rebonsoir. Nous aimerions savoir si il y a quelqu'un ici avec nous. Et si vous pouvez faire bouger le guéridon. Donc, vous soulevez et faites un coup pour dire oui. Alors, est-ce qu'un esprit est avec nous? Esprit, tu l'as? Que tu es là, présent. Ça peut prendre un peu de temps.
n'hésitez pas à montrer votre force sur ce guéridon. Soulevez-le. Montrez-nous que vous êtes ici. Ouais, super. Parfait. Très bien. Putain, j'ai senti des frissons juste avant. Alors, nous avons établi la communication, c'est gentil, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que c'est la même personne avec qui on a discuté il y a 5 minutes? C'est moi. Merci, c'est super, merci beaucoup, gentil. Donc, c'est toujours la même personne, l'ancien propriétaire du château. Vous ressentez hein, ses mains qui bougent, c'est-à-dire qu'elle a pu presque pas. Donc, c'est toujours la même personne, donc on avait dit qu'on allait se recontacter, c'est génial. Donc vous êtes encore l'ancien propriétaire du 15e siècle, hein, c'est bien ça? Oui. Super. Vous avez beaucoup de force, c'est très bien. Hein? C'est très très bien. Vous avez fait des modifications sur ce château à l'époque? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez le faire tourner d'un côté sur un côté? Allez-y. Est-ce que vous pouvez le faire tourner sur le côté droit ou le côté gauche? Est-ce que vous pouvez le faire tourner? Ouais, d'accord. Et le faire tourner sur lui-même. J'ai l'impression. Il tourne. Hein? J'ai l'impression que ça veut tourner, mais en ouais, fait. La terre, c'est le plancher, c'est pas. Ouais. On sent la force qu'il y a dessus. Ah putain, ça y tourne. Ah, c'est bien. Ah, super. Allez-y encore, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ouais. Oui, 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 super. Magnifique, génial. Ça, c'est parfait, ça. Très, très bien. Vous avez une très, très grande force morale. Ouais, ouais, c'est super, c'est génial. Vous êtes quelqu'un de très calme par contre. Et c'est très appréciable. Est-ce que vous pouvez le faire tourner, mais dans l'autre sens maintenant? Super, oui. Et le faire tourner. Putain, oui, j'ai l'impression que ça tourne. Moi je le sens. Ouais. Elle tourne dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles de montre. Donc, voilà, ouais. Ouais, c'est que c'est bloqué, c'est tout. Ouais, voilà. Allez-y, 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 c'est allez-y. Pas. Allez-y. Ça va tourner d'un coup, c'est. C'est tout qui va partir. Voilà. On va cesser la séance de 2 secondes. Merci à vous. Rebonsoir, c'est à nouveau nous. Est-ce que vous pouvez faire bouger le petit guéridon, s'il vous plaît?
Ouais, ça va où jusqu'au bout? Vous laissez faire, parce qu'en fait, quand ça va redescendre... Allez-y. Voilà, vous l'incitez, voilà, c'est bien. Ils aiment bien ce mode de contact, en fait. Je touche même pas. Je pense que les... Tournez le guéridon sur la droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Ou de l'autre sens? Parce que ça a essayé de le faire tourner. Tout à l'heure, ça a réussi un peu. Oh là là. Allez-y. C'est quoi ce délire? Allez-y. C'est quoi? Il y a tes doigts qui sont soulevés. Il y a tes doigts qui sont qui se soulèvent. C'est super. Merci beaucoup. Ça me fait flipper là. C'est génial. Est-ce que vous pouvez faire osciller le cadeau en même temps qu'on a posé dessus sur le plateau? Faire allumer les lumières ou pas? Pourquoi faire moi? Non, ça veut rien dire ça. Il dit oui quand même, c'est pas toi. Peut-être que, ouais, il est venu vers moi, vers toi. Ouais, allez, vers Cédric aussi. Vous pouvez venir vers moi en même temps ou pas? Il va venir sur le côté. J'ai l'impression qu'il vient là. Allez vers Cédric s'il vous plaît. Venez vers moi. Allez, allez-y. Ou aller vers Sandrine. Bien à plat les mains. Voilà. Tes deux pouces doivent se toucher, Jessie. Ah, pardon, c'est pour ça que ça marchait. Peut-être se toucher sur le guéridon. Allez, on y va. Faut que ça fasse connexion vraiment. Continuez. Ouais, c'est bon, ça arrive. Voilà, tout de suite. Oh là. Ouais, super. Faites-le tourner, allez. What? Comme tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que c'est le propriétaire à qui j'ai parlé tout à l'heure? Allez, faites-le tourner sur lui-même. Allez-y. Ouais, tu sens le plateau? Ouais. Un petit peu, oui. Ouais. Revenez. Voilà. Et faites-le tourner, comme tout à l'heure. Faites-le tourner, sur lui-même. Faites tourner le plateau. Plus fort. Vous pouvez faire tourner juste le plateau ou pas? Le cadeau. Oui, il s'est allumé. Il s'est mis un peu là. Ouais, hein, sur le deuxième. Ouais, ah, voilà, ça commence. Faites tourner le plateau. Continuez. Ouais, oui, super. Vous aimez cette méthode de communication? Si ça vous plaît, allumez le cadeau, s'il vous plaît. Allez-y, rallumez-le, s'il vous plaît. C'est vrai que ça donne de l'énergie et... Oh là là. Super. What? Allez, plus fort. Allez, on y va. Allez, faites tourner maintenant. Faites tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Faites-le tourner. Pas le tourner, ça veut le faire tomber surtout. Ouais, parce qu'il peut pas tourner comme il veut. On va enlever le plastique, à mon avis, ça coince. On va enlever le plastique. Ah. Ah. Non, bah pas. Allez-y, ça fait tourner. Ah, il y a le cadeau qui a réagi. Ouais, c'est qu'il essaye, mais il n'y arrive pas. Ouais. Allez-y, on vous suit. Est-ce que vous voulez qu'on retire le plastique en dessous? Allumez les petites lumières. Si vous voulez qu'on retire le plastique en dessous, ouais. Allumez les lumières. Sur le cadeau.
Non, il dit oui. Hein. Ouais. Juste à le pencher, il dit oui. Ouais, ouais. Tu regardes, il a fait réagir. Allez, vas-y. On va arrêter. Ouais. Vous enlevez vos mains. Vous enlevez le plastique. Waouh. Alors, sensation ? Chelou, ça. C'est bien, ouais. C'est génial. Par contre, moi, j'ai les mains, moi. Voilà, ça va. Vas-y. On y retourne. Allez. Je me mets à genoux. C'est pas trop bien, c'est ouais, c'est chaud. Ouais, il y a une petite détente. Allez, c'est reparti. Allez, tournez. Faites-le tourner. Mais bien pose bien tes mains, Jessie. C'est parce que du coup, je n'ose plus la toucher, en fait. Je n'ose pas la toucher. Mais si, tu peux. J'ai l'impression que si je la touche, tu vois. Que c'est toi qui fais. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, mais non. Tout, non. Tu le sens, hein. Ah non, parce que je tourne. Ah, ça y est, je sais. Voilà, tu vois, regarde le pied. C'est bien. Là, il tourne. Allez-y. Ouais, super. Magnifique. Vous faites du très très bon boulot, super. Est-ce qu'on peut tourner dans l'autre sens, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible pour vous? Allez-y, tourne dans l'autre sens. Ça tourne. Ça tourne, ça tire. Ouais, non, super. Non, non. Allez, ouais. J'ai eu la frisson. Super. Vous avez une très très grande force. C'est très très bien. On est très fiers de vous. Merci pour cette communication. C'est très très bien. C'est en train de me bouffer toute mon énergie, ça. Moi, j'ai des frissons de fou, moi. Les épaules, je pense. Ouais, c'est très très bien. Merci beaucoup. Vous êtes très content, vous aussi, on le sent. De nous, vous êtes content de communiquer avec nous par ce biais? Ouais, tout de suite, ça répond. Hein. Ouais, on s'en doute. Et à chaque réponse, moi, j'ai des frissons de... Est-ce que si la table est tombe, ça veut dire quelque chose? On sait pas. On a pas la laisser tomber au cas où ça fasse un peu comme du Ouija ou non, tu vois. Non, ça n'a rien à voir, je pense pas. C'est quand même moins dangereux. Vous pouvez revenir vers moi ou pas? Non. Oui, oh ouais, super. What? Je suis devant la caméra, non? Ouais, t'es devant la caméra. Allez. Allez, tournez. Oh putain. Ouais. Non. Allez, laisse-toi. Ah oui. Oui, super, continuez. Allez, encore. Encore, allez-y. Allez-y, oh, oui, oh, super. Comment c'est possible, ça? Je vois vos doigts, mon petit. Je vois bien vos doigts qui appuient pas, quoi. Tu vois, ça se voit quand t'as plusieurs doigts. Regarde, ça se voit, ça blanchit les doigts. Et oui, tu regardes, il dit oui. Oh là 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 là. Il répond. C'est bien vous qui faites ça avec le guéridon. Oh là là. Super. Franchement, je te le dis honnêtement, j'y croyais pas du tout. Là. Honnêtement, j'étais sceptique là-dessus. Allez, tournez. Oui, magnifique. Montrez. Allez-y. C'est bien. Montrez que vous êtes capable. Ouais. Alors on va s'arrêter 5 minutes. Ah non, il veut pas. Bon, super. Je le sens qu'il veut tourner là. Ouais, ça se voit tout de suite. Hein. Ah, voyons. Ouais, super, merci. Les cadeaux, ça l'aime. Super. C'est quoi qui est tombé? La batterie. Merde, désolé. C'est pas grave. Recule la caméra. On va arrêter. Ouais. On va rester 5 minutes. Allez. Voilà. Tout de suite à chaud. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis. J'étais très dubitatif, sincèrement, et là, le fait d'y avoir participé moi-même et de me rendre compte, pardon, que sans forcément appuyer, mais vraiment d'avoir posé simplement les mains avec légèreté, ouais. Et de voir que le guéridon tourne, vient vers moi, alors que je survole à peine, je donne vraiment aucune pression, je suis vraiment très très impressionné. Ouais, moi c'est pareil. Jessie? Oh bah, toi, ça t'a vidé, donc tout de suite, donc. Mais ta réaction tout de suite à chaud? Franchement, j'y croyais pas, hein, franchement, mais là, je vois bien. Enfin, puis une pression des doigts, ça se voit en fait. On sent qu'il y a une force qui pousse
Je veux dire, même les doigts, quand ça appuie sur une table, regarde. Oui, ça se voit, c'est blanc. Ça blanchit les ongles, tu vois, et je regardais bien leurs doigts. Ouais, je me disais, c'est pas possible, quoi. C'est eux ou... Je suis choquée, quoi. Voilà. Chérie, à chaud. Bah, moi, c'est pareil, je suis étonnée parce que c'est la première fois qu'on s'en sert. J'y croyais pas trop non plus, on avait dit qu'on l'emmenait pas. Enfin, moi, enfin, c'est toi qui as insisté, ouais, moi je voulais pas l'emmener. J'ai envie d'essayer, mais comme quoi, tu vois. Ça m'intéresse vachement, je trouve que c'est mieux que la Ouija. Mmh. Et voilà. Après, faut savoir poser les questions, faut savoir s'en servir aussi. Voilà, faut faire très attention surtout. Hein. Et quand on quitte le guéridon, on dit on arrête la séance. Oui, c'est ce que j'ai dit, hein, hein, parce que. Voilà. Parce comme au Ouija, il faut dire au revoir. Ça voilà. Pas hein. Louis, t'as senti quoi? En fait, déjà, rien qu'avec le... Excusez-moi, on attend la réponse de Louis, s'il vous plaît. Déjà, rien qu'avec le pendu, ça m'a convaincu. Déjà? Ça, c'est mieux? Il n'y a pas de mots. C'est pas de mots? Il n'y a pas de mots pour décrire. Ok. En fait, je suis quelqu'un qui suit la science et tout, et qui croit très peu à quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement. Mais là... Là, tu l'as vécu. Il y a... Ouais, c'est... Voilà. Donc, c'est pas du faux. C'est... on vous le dit tous autant que vous êtes. À chaque fois, on n'est pas là pour faire du fake, comme certains font. Nous, on est là pour prouver des choses. Donc, c'était la première fois qu'on faisait du guéridon. On a une très, 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 très bonne communication avec cette personne-là. On n'a pas fait... C'était la première fois pour tout le monde, en plus. Donc je peux vous dire une chose, qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre. Nous, on l'a fait déjà juste pour commencer. Puis ouais, on a vu que, en fait, que Jesse et puis Cédric se sont mis avec toi, c'était beaucoup plus fort déjà. Mmh. Donc déjà, moralement, ça t'a puisé, toi, t'es vidé, toi. Hein, ça se voit, avec la tête, elle est explosée. Voilà. Donc attends, on va attendre 5 minutes, on va se poser 5 minutes, qu'on récupère, et puis on reprend. Cette première séance de guéridon nous a complètement surpris. On n'y croyait pas, et tout compte fait, ça marche. On rentre en communication avec les entités. Nous reprenons tous nos esprits en faisant une pause bien méritée. Car l'énergie nous a été vidée, et les émotions sont au maximum. Est-ce que vous êtes encore avec nous ? Si oui, faites bouger la table. Ah oui, bien vu. Pardon. Est-ce que vous êtes encore avec nous ? Ah, oui. Okay. Merci. Est-ce que vous êtes un esprit bon ou mauvais ? Est-ce que vous êtes un esprit qui est bon pour nous ? Si oui, soulevez une fois, sinon deux fois. C'est un mauvais esprit ? Bah, il dit que oui. Si vous êtes mal intentionné, vous voulez bien lever le cadeau, s'il vous plaît, de le faire osciller ? Non. Il veut pas. D'accord. Alors, on ne veut pas de mauvais esprits avec nous, on veut que des bons esprits. Il est fait quoi deux fois à chaque fois ? Il est gentil ou méchant ? Alors, oui. Ah, il va faire trois. Oui, une fois. Non, deux fois. Alors, gentil une fois, méchant deux fois. Voilà, super, très merci. Bien. Merci. Voilà, donc on avait du mal à comprendre tout à l'heure. Est-ce que vous êtes la personne avec qui j'ai fait le pendu tout à l'heure ?
Je prends ça pour un oui. Vous pouvez le refaire? Refaire tourner le guéridon, s'il vous plaît. Merci. On vous suit, on vous suit. Est-ce que c'est vous qui m'avez donné des frissons tout à l'heure quand je parlais des personnes présentes, des anciennes, oui, des personnes qui ont vécu ici? Si oui, soulevez une fois. D'accord. Sinon, deux fois. Tournez dans l'autre sens maintenant. Faites-le tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. S'il vous plaît. Demande-lui, toi, Louis, à le faire. Est-ce que vous pouvez tourner la table dans le sens opposé des aiguilles d'une montre? Si oui, faites-le. Sinon, levez la table une fois. J'ai l'impression que c'était un enfant. Est-ce que c'était un enfant, comme dirait Jesse? Est-ce que c'est un enfant? Ça fait une fois. Qui vient de faire ça? Si oui, une fois, et sinon, deux fois. Très bien. Ah! Est-ce que cette personne qui vient d'allumer la lampe est bien intentionnée ou non? Si oui, une fois, sinon, deux fois. D'accord. Est-ce que... D'accord. Non, il n'arrive pas à faire tourner la table.
Oh, il y arrive, il est arrivé tout à l'heure. Oui, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Prenez l'énergie qui est en nous, allez-y. Prenez mon énergie, ou l'énergie de quelqu'un d'autre, si vous voulez. Allez, faites-le. Ouais, vous êtes en train de m'en prendre, ouais, je le sens. J'ai des frissons. Allez-y. Allez-y. C'est pas un problème, allez-y. Faites tourner la table. Oui, voilà, super, parfait. Oui. Voilà. Excellent. Encore, encore. Oh oui. Encore. Oui, oui. Encore. Faites un tour complet. Allez. Allez-y. Un tour complet. Allez-y. Ah, allez-y. Non, il y arrive. D'accord. C'est gentil, merci. Merci. Est-ce que vous connaissez la personne qui a allumé la lampe juste avant que vous tourniez? Si oui, une fois. Sinon, deux fois. Il a essayé de tourner, j'ai vu. Une fois. Deux fois. D'accord. Je vais reprendre les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Est-ce que vous êtes-vous sûr de n'avoir jamais connu la femme, la fille, la jeune fille qui habitait ici? Qui a vécu ici? Si oui, une fois, sinon, deux fois. Très bien. Non, il n'a pas connu. Il n'a pas connu, d'accord. Donc, est-ce que j'ai compris, vous aviez vécu tous les deux au 15e siècle? Vous confirmez cela? Est-ce que vous êtes un esprit ou est-ce que vous êtes un guide? Alors, est-ce que vous êtes un esprit? Dites-vous. Un coup, faut oui. Si vous êtes un guide, deux coups. D'accord. Donc, vous êtes un guide. Et en plus, la lumière de la lampe vient de s'éteindre. Voilà, les amis. Notre enquête touche à sa fin. Les résultats avec le guéridon sont étonnants. C'était notre première fois avec ce type de communication. Pour les prochaines enquêtes, nous allons nous perfectionner pour avoir, je l'espère, les réponses que nous sommes amenés à nous poser. Petit clin d'œil au groupe SXZ car ils sont experts dans ce domaine. Merci à tous de nous soutenir et de nous suivre dans nos aventures. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, abonnez-vous et activez la clochette pour ne rien rater des nouvelles sorties. Vous pouvez nous suivre aussi dans notre nouvelle chaîne YouTube, Spirit Urbex 16. Merci à tous et à bientôt. Comme ça qu'on le sent, c'est comme ça qu'on le,
Enfin, moi et Sandrine, s'appelle le ressent, et on a bien travaillé comme ça. Voilà. Donc, on va clôturer sur ces belles paroles. On remercie encore une deuxième fois Cédric et Jessie pour leur participation à notre enquête. Et merci pour votre enquête aussi, parce qu'on sera dessus aussi. Et surtout, merci à Louis pour ton implication et ton, pour la caméra. Ça a été vraiment super gentil d'être venu avec nous. Et bien sûr, je remercie Sandrine, ma chère et tendre, qui est toujours dans les bons coups. Bon, merci à vous. On vous dit à une prochaine enquête. Salut!